Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. A décrété par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celles de la prochaine législature. Préambule. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pourront être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement et par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article 7. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement évidentes et nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient » sans qu'un préjugé
jugée barbare, la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 14. Les citoyennes et citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Article 15. La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés. Elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Postambule. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh femme, femme, quand essaierez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Vous restez-il donc la conviction des injustices de l'homme, la réclamation de votre patrimoine fondée sur le sens de la nature? Auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise le bon mot du législateur des mœurs de commun? Croyez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répètent « Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ?» Auriez-vous à répondre? Ils s'expriment dans leur faiblesse à mettre ce sans conséquence en contradiction avec leurs principes, opposer courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur a ravi, la ruse leur a rendu.
Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Les poisons, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Les cabinets n'avaient point de secret pour leur indiscrétion. Ambassade, commandement, ministère, résidence, pontificat, cardinalat, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes profanes et sacrés, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable et respecté. Et depuis la Révolution, respectable. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.